Vainqueur de son 24e tournoi du Grand Chelem à l'US Open, Novak Djokovic a un peu plus creusé l'écart avec ses rivaux de toujours. Après cet incroyable exploit, de nouvelles discussions émanent à son sujet et lui-même semble réclamer davantage de considération. Injouable, infaillible, ahurissant. Les adjectifs commencent sérieusement à manquer pour décrire Novak Djokovic tant il continue de rouler sur la concurrence à 36 ans. Récemment titré à l'US Open. Il a ainsi remporté son 3e tournoi du Grand Chelem de la saison et le 24e de sa carrière. Autant dire que cette nouvelle année riche en succès n'a fait que renforcer son dossier de candidature au statut de GOAT. Devant Roger Federer et Rafael Nadal, le Joker devient en effet le meilleur de tous les temps dans la tête de pas mal d'observateurs. Au-delà de son niveau tennistique encore invraisemblable. Ce sont surtout ses prouesses sur le plan physique qui étonnent de jour en jour. Alors que Rafa est sur une patte et que Roger joue au golf, le natif de Belgrade se montre toujours fringant et ne semble pas prêt de s'arrêter. Dans l'histoire du sport, très peu d'exemples peuvent être rapprochés de la saison que vient de livrer Novak Djokovic. Se maintenir au-dessus de la mêlée après tant d'années de carrière représente à n'en pas douter un incroyable exploit qui vaut toutes les louanges du monde. D'ailleurs, selon lui, ses dernières performances en date devraient suffire à lancer une nouvelle conversation à son sujet. Je vais laisser à tout le monde le soin de juger si c'est vrai ou non, mais selon moi, c'est clair. Si je n'étais pas serbe, il y a de nombreuses années que j'aurais été élevé au sommet des conversations autour du sport, en particulier dans le monde occidental. Mais bon, c'est comme ça. Je suis fier de mes origines serbes, cela me donne foi et espoir, et c'est pourquoi tout ce que j'accomplis est encore plus beau et me comble encore plus. Et si Nova était de la même trempe que les Michael Jordan, Michael Phelps et les autres non cités en tant que meilleurs athlètes de tous les temps? En tout cas, les arguments en sa faveur se multiplient. Le fait que cela ne fasse toujours pas consensus le laisse dès lors penser qu'il pâtit de ses origines, moins bling-bling que celles des Américains. Une belle source de motivation pour poursuivre son entreprise de démolition. Avec un physique qui continue de faire l'admiration et aucun cheveu blanc sur le crâne, Djoko a encore de quoi essayer ses adversaires pendant de longues années. Après l'US Open, son coach Goran Ivanišević avait d'ailleurs avoué que l'objectif était clairement de jouer jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028. Alors qu'il affichera 41 ans au compteur, il pourrait ainsi rendre un dernier hommage à son pote Kobe Bryant. Difficile de qualifier ce qu'est en train de réaliser Novak Djokovic, mais les livres d'histoire s'en rappelleront pendant un certain temps. Noël est d'ailleurs persuadé que la considération à son égard serait décuplée s'il n'était pas serbe. Et cela le motive encore plus.